C'est le concours Eye on the Street, lancé pour les jeunes talents de 18 à 25 ans par l'association culturelle américaine en partenariat avec l'ambassade des États-Unis à Rabat, donc un concours d'art vidéo. Un œil dans la rue. On va en savoir un petit peu plus sur ce concours avec notre invitée, la chargée de communication de l'association culturelle américaine, Nisrine Hkouni. Bonjour Nisrine. Bonjour Saïda. Comment Salut ça va? Nisrine, comment ça Et va? Bonjour Hicham, comment allez-vous? Ravi de te retrouver, hein, donc ravi de te retrouver Nisrine. Comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe très bien, alhamdoulilah. Je suis très contente d'être parmi vous ce matin. Et puis crois-moi que c'est partagé. Crois-moi que c'est partagé. Nisrine, hein, donc, qui avait quand même fait un passage par chaîne Inter. Exactement. Et qu'on retrouve aujourd'hui pour nous parler de cet événement Eye on the Street. Alors, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Saïda. Donc, le concours est fait pour les jeunes vidéastes. Est-ce que, Nisrine, tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur l'organisation de ce concours Eye on the Street? Alors, donc, pour reprendre ce que vous venez de dire, Saïda, c'est un concours donc, qui est dédié à la vidéo et plus particulièrement aux très courtes vidéos réalisées par téléphone, par smartphone. C'est un concours donc, qui est censé ou qui vise plutôt à célébrer le street art ou plus généralement les cultures urbaines dans leur vaste manifestation qu'on peut voir dans la rue. Les participants, eh bien, c'est très simple, ils sont donc appelés à sortir leur smartphone de leur poche, à aller dans la rue et à essayer donc de pratiquer leur sens de l'observation pour filmer soit des pratiques artistiques, soit des créations artistiques. Le format est donc très libre et très ouvert. Ça pourrait être un documentaire, un court documentaire, un portrait, un reportage ou encore un film d'animation. Donc, c'est vraiment laissé à la discrétion des participants. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? L'idée, c'est de célébrer les pratiques artistiques urbaines comme on les pratique au Maroc. Donc, ça peut être de la culture hip-hop, du graffiti, des peintures murales, de la danse urbaine, des sports urbains, Voilà, donc, et sachant que la définition même de street art est toujours en mouvement et toujours en évolution, donc il y a peut-être des arts qui se sont retrouvés ces derniers mois par la force de la pandémie et par la force de la fermeture des lieux artistiques qui se retrouvent aujourd'hui à s'exprimer dans les rues et dont on n'a aucune idée encore. C'est ça tout le génie du street art et des arts urbains, c'est cette facilité, cette versatilité et cette facilité d'adaptation. Donc c'est aussi ce qu'on cherche à capter à travers ce concours. Voilà, donc des petites vidéos de 3 à 5 minutes destinées donc à des jeunes âgés entre 18 à 25 ans. J'ai envie quand même de te poser une petite question, Nisrine. Sur quels critères le jury va-t-il se baser pour justement juger, entre guillemets, les vidéos qu'ils vont recevoir? Alors déjà parlons du jury, il s'agit donc d'un panel de réalisateurs, de personnes issues du monde des cultures urbaines, établies soit au Maroc, soit aux États-Unis. Donc les critères, nous adressons, alors moi personnellement, je vais parler pour moi, mais j'ai une petite préférence pour les vidéastes en herbe, c'est-à-dire qui sont là en train de, qui ont cet amour de l'image, qui s'essayent à de nouvelles techniques, qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup de matériel, mais qui ont vraiment une sensibilité esthétique à exprimer. Donc moi, ma préférence irait envers ces participants-là. Mais avec beaucoup plus d'objectivité, le jury prendra en compte donc cette sensibilité-là, mais aussi le scénario, donc c'est l'originalité de l'idée et comment elle s'exprime. L'aspect technique n'est pas si important que ça, parce qu'encore une fois, nous demandons aux participants d'utiliser leur téléphone portable. Voilà. Donc le minimum... On est indulgent à ce niveau-là, vous êtes indulgent. Voilà, donc, nous sommes indulgents et trouvons même que c'est une manière de rendre le concours beaucoup plus inclusif et donc de ne pas s'arrêter à cette barrière-là de la technique et du matériel. Donc le minimum requis, c'est donc une certaine stabilité de l'image, avoir un minimum d'éclairage et que voilà, que ça soit visible. Mais nous, le jury sera appelé vraiment à juger
l'esthétique, la sensibilité et l'originalité de l'idée. Voilà, donc les jurés vont garder en tête que ces jeunes donc, ne sont pas forcément bien équipés et donc ne Ils ne vont sont pas pas être formés non très plus. regardants sur le côté technique de la chose, mais surtout, comme l'a dit Nesrine, l'originalité du scénario et l'originalité justement du projet en lui-même. Donc c'est ce qui est plus important. Et si j'ai bien compris, donc il n'y aura pas un seul, ni deux, mais trois gagnants, Nesrine. Tout à fait, on essaiera de sélectionner dans une première phase 10 vidéos et le jury statuera sur ces 10 vidéos qui vont être shortlistées pour en faire pour en sortir 3 gagnants qui recevront chacun donc un kit de réalisation complet. D'accord. Ainsi, aussi ils profiteront d'une diffusion sur les réseaux sociaux des organisateurs, mais également lors d'une cérémonie D'accord. qui se tiendra là en public. Donc projection de la vidéo, des vidéos réalisées donc en public et aussi donc sur les réseaux sociaux et surtout en prime ce kit de réalisation de films qui va être super utile pour ces jeunes vidéastes Ça, et c'est sûr. réalisateurs en herbe. Voilà, si on peut C'est ce les... qu'on espère en tout cas. Ouais, non, mais c'est comme ça qu'on va les appeler, des réalisateurs en herbe. Et c'est comme ça qu'on peut justement détecter donc quelques jeunes talents C'est qui ça, font un petit peu des l'exception. vocations Bah, c'est aussi. ça en fait. Parce qu'il n'y a que des jeunes passionnés hein, donc, qui vont, j'imagine, participer à ce concours. Un concours qui a une date limite, Nisrine, pour l'inscription. Comment ça se passe? Bah écoutez, ils ont jusqu'au 22 juin à minuit Oh, pour bah nous voilà. soumettre leurs vidéos, donc je Donc on a pense que encore un ça va, petit ils sont mois, larges. ouais, on a encore un petit mois, hein, donc d'ici le 22 juin. Et comment ça se passe? Où est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce que vous avez une adresse? Est-ce qu'il faut aller sur le site? Dis-nous tout, Nisrine. Alors, toutes les informations sont sur notre page Facebook, donc ACA, American Cultural Association, sur notre compte Instagram, ou plus directement, vous pouvez aller donc sur le site ACA, donc aca.org.ma, et là, sur la page d'accueil, vous trouverez un lien qui vous emmènera vers la page de l'open call, donc de l'appel à la candidature pour le concours, où il y aura toutes les informations. Donc, je tiens à préciser que la soumission, ou plutôt le processus de candidature est très très simple. Vous avez un formulaire à remplir en ligne, à télécharger et le lien de votre vidéo donc à nous envoyer, la vidéo qui devra préalablement être uploadée sur YouTube avec le hashtag Eye on the Street. Donc vous nous envoyez votre formulaire dûment rempli et le lien pour la vidéo. Et c'est tout. Voilà Et donc. bonne chance à tout le monde. Ben voilà, donc on rappelle que ce concours Eye on the Street, donc organisé par l'Association culturelle américaine, est une manière de célébrer donc le bicentenaire de la Légation américaine de Tanger. En quelques mots, hein, donc on a parlé du concours, mais on aimerait aussi un petit peu éclairer les choses pour les auditeurs Nisserine. L'Association culturelle américaine, si tu pouvais rapidement nous faire un petit brief là-dessus, elle n'organise pas que ça, j'imagine. L'association culturelle américaine. Alors, le grand public devrait plus connaître ces activités qui s'expriment et qui sont donc ouverts au public à travers les centres américains, donc les Voilà, American d'accord. Language Centers. Il y en a, je rappelle qu'il y en a 12 à travers tout le Maroc. Donc, pas la peine de citer toutes les villes, mais je dirais qu'il y en a à Oujda, à Marrakech, à El Jadida et à Agadir et dans d'autres villes du royaume. Et donc, nous avons une programmation culturelle qui est assez variée, Et riche, qui ouais. est riche et donc qui se focalise sur les échanges linguistiques, donc la mise en valeur des interactions et des dialogues entre Darija et l'anglais, l'arabe classique et l'anglais. Nous avons d'ailleurs un institut à Fès où l'on donne aussi des cours d'arabe classique aux étudiants, notamment américains, qui viennent étudier au Maroc et pas que. Et donc voilà, donc c'est vraiment une programmation culturelle qui est pensée autour du dialogue interculturel entre le Maroc et les États-Unis et la célébration de cette histoire que nous avons en partage et qui s'exprime et qui s'épanouit à travers plusieurs centres d'intérêt, soit culturels, soit technologiques, soit cognitififs. Donc voilà, c'est tout Voilà. ce grand éventail d'activités et d'intérêts en partage que nous essayons donc d'explorer
pour célébrer à travers notre programme culturel. Voilà, et entre autres, donc là, on a droit à ce concours, donc Eye on the Street. Les jeunes de 18 à 25 ans, donc comme tu l'as dit, ont jusqu'au 22 juin pour envoyer leurs vidéos et s'inscrire. Et quand est-ce qu'on aura le verdict, le résultat, justement? Bah, le coup près tombera le 1er juillet. Le 1er D'accord, juillet. ok. Donc le 1er juillet, donc entre le C'est un 22 terme un juin. peu martial. On va dire les résultats finaux seront annoncés le 1er juillet. Voilà, c'est plus agréable. Bah, non, mais c'est vrai, parce que ça va être quand même du gros boulot, j'imagine, pour le pour jury. Les organisateurs. Une semaine pour tout visionner, pour juger. Donc ça va, hein, donc il y aura du boulot. Il y aura du boulot. Oui, ça va être intense. Exactement. Et donc, est-ce qu'il y a un nombre limite donc de participants ou c'est vraiment open? Alors, c'est précisé donc dans la charte du concours, on accepte donc une vidéo par participant ou par collectif. Parce que ce que j'ai oublié de préciser peut-être, c'est que c'est aussi ouvert au collectif. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes collaborant sur une même vidéo. Magnifique. Et ce collectif-là donc doit juste s'identifier. Mais soumettre une seule vidéo à la fois. Et ben voilà, donc ça laisse quand même vraiment une liberté à pas mal donc de participants, donc pour aller bien. Tout à fait. Ben, en tout cas, on te remercie et bravo pour cette initiative qui non seulement encourage les jeunes, mais aussi donc met en lumière un petit peu cette culture urbaine, donc qui est de plus en plus, qui a de plus en plus quand même de succès au Maroc avec ces jeunes. Vraiment, donc bravo à l'association culturelle américaine, donc qui célèbre le bicentenaire de la légation américaine de Tanger, et en partenariat, rappelons-le, avec l'ambassade des États-Unis à Rabat, en organisant ce concours d'art vidéo Eye on the Street, et destiné donc aux jeunes entre 18 et 25 ans. Et vous pouvez bien évidemment vous inscrire en allant sur les pages officielles de l'association culturelle américaine. Et Nisrine Hakouni, la chargée de com, a éclairé notre lanterne concernant ce concours, et on tâchera de rester en contact avec vous, parce que là, on aimerait aussi tenir au courant les auditeurs après avoir dévoilé les résultats, Nisrine. Donc, ce qu'on va te dire, c'est à très très vite, Nisrine. Voilà. Bien, avec grand plaisir, à très bientôt. Merci. Et puis, très bonne matinée à tous les auditeurs de chaîne Inter. Merci, Nisrine. Ciao, ciao. À et bientôt. Bon week-end bon à toi. Merci également.